Donc aujourd'hui, c'est le lancement de ce groupe de travail entre des grandes entreprises, dont Thales, et supporté par l'Agence Entreprises et Handicap sur les nouvelles technologies, les nouvelles opportunités économiques et la place des personnes handicapées dans ces évolutions qui vont venir toucher notre environnement, à la fois professionnel et social. Donc aujourd'hui, première journée, ça a permis de réunir des personnes venant de grands groupes, venant aussi du monde des EA et des ESAT, des associations, et puis des personnes qui ont mené des réflexions personnelles comme auto-entrepreneurs ou du fait de leur handicap sur ce que peuvent leur apporter aujourd'hui mais demain les nouvelles technologies, à la fois dans le développement de leur emploi et dans la compensation de leur handicap. Donc aujourd'hui, on va commencer à travailler, un long travail, j'espère, qui devrait aboutir à des pistes qui vont permettre d'interpeller la société en général sur la place que les personnes handicapées vont pouvoir avoir dans les évolutions de ces nouvelles technologies. Ne pas faire sans eux, mais et ne pas faire pour elles si sans leur demander leur avis. Voilà ce qu'on va bâtir, et puis j'espère que d'autres entreprises viendront aussi travailler avec nous.